Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par cette belle journée ensoleillée, en tout cas de mon côté, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Et il fait chaud, on va profiter parce qu'après, ça risque de ne pas trop durer. Alors, aujourd'hui, on va repartir sur Euro Truck Simulator 2. Je suis sur la promode, la 250, la dernière qui vient de sortir. Et je me suis remis à faire des petits skins de déco pour les camions. Alors justement, on va pouvoir regarder ça ensemble, que je puisse le découvrir avec vous. Alors c'est pas celui-là, c'est du même, c'est aussi sur l'espace. Alors je me suis fait un joli petit truc, joli j'espère. Alors, je me suis fait un Volvo en FH 2012. On va aller. On va déjà aller acheter un camion. Alors, on va visiter le concessionnaire. Voici, voilà. Alors, comme ça, on va pouvoir regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ça dit? Alors, juste mettre ça comme ça. Voilà. Alors, il est où mon camion? Il est là. Alors, lequel je prends? Alors, juste pour vous montrer, on peut faire les deux variantes. On va personnaliser. On va déjà regarder comment ce qu'il donne avec celui-là, s'il n'y a pas de bug. Alors c'est celui-là là. L'icône c'est celui-là. Ah bah le voilà. Le voici, le voilà. Ah bah voilà. Il y a ça qui va pas. Il y a ça qui va. Alors ça je trouve pas comment. Je trouve pas. J'ai beau essayer, je trouve pas comment. Il y a un truc qu'il faut pas que je peigne, mais je sais pas lequel. Pourtant, j'ai regardé, j'ai pas de calque qui fait que c'est la bavette à l'avant. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, après, on peut mettre celle-ci. Hein. Pire. Voilà. Voilà. Wow, je règle la chose. Alors, mon petit skin sur l'espace. Alors je ne vais pas le prendre avec celui-là. Je vais aller le chercher. Prendre celui-là. Personnel la config. On va prendre celui-là. Alors, bon déjà, je vais choisir la peinture. De toute façon, je sais laquelle je vais prendre. Voilà. Ah mais là, ouais, ça fait partout. Je trouve pas le comment. Je trouve pas comment. Je sais pas. Je sais pas. Bah, au revoir, voilà. Mon premier skin, ma première connerie. On va chromer. Voilà. Voilà à peu près comment il est. Je le sens pas. Je le trouve sympa. Bon après voilà. À faire mieux. À faire mieux. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Quoi donc, je suis pas sûr, je suis certain qu'on peut faire mieux. Ah c'est vrai que c'est pas top. C'est pas top. Allez, 12 plus 2, 750, c'est bon. Maintenant je vais le prendre. Comment est-ce que je vais le prendre? Ah non, pas ça que je veux. Voilà. On va prendre, on va l'équiper. On va l'équiper.
Est-ce qu'on est dans le bas? Qu'est-ce qu'on fait? Ça? Ouais. Sympa. Bon, les pots, ça fait un peu. Un peu bizarre. Un peu bizarre. Ces gros pots d'échappement. Alors, hop. Et hop. Alors, je vais juste regarder si. Allez, des putes, des tututes, des tututes. Alors, on va prendre laquelle? Est-ce que je la prends ou je prends pas? Assez de feu? Oui, il y a assez de feu, on va pas la prendre. On va prendre la traditionnelle. Voilà. Comme ça, je peux faire mes feux. Voilà. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez mon premier skin que j'ai fait pour le Volvo FH. Oh, je trouve pas si vilain que ça. Alors, qu'est-ce que je mets là? Ma plaque. Jim. Ok. Ça, on s'en fout. Ça. Tu vas laisser enfoncer. Laisse ça en clair. Maintenant, pour ça. Qu'est-ce que je vais y mettre? Des Michelin. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Et ça, je vais prendre des Michelin comme pneus. Ça, je peux mettre devant. Zorvezoli. Zorvezoli. Les couleurs peinture. Les jantes. Les jantes. Révolution. Révolution. Petite brique d'orange. Je trouve un peu clair, un peu foncé ce orange. Ces jantes, c'est pas top. Non, mais le blanc, il donne pas blanc. Oh là là. Eh ben, on va mettre du chromé. American Dream. Est-ce que là, j'ai aussi... Je peux avoir les mêmes. Je parle du American Dream. Le mieux. Un petit peu plus foncé. Ah ouais, ça. Voilà. Le Dark Silver pour derrière.
American Dream pour demain. Ouais, faut que je choisisse des Michelin. Des Michelin. 315 par 80. 315 par 70. 385, ça c'est 315. Ouais, 315 par 80. Il faut que ça tienne la route. 315 par 80. Moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand chose comme option sur les Volvo, par contre. C'est ce qui est dommage. Scania, il y a tout plein. Voilà ce que ça donne. L'intérieur, ça donne quoi? Alors, l'intérieur. Moi, je veux la glacière. Ici, je veux mon sac. Sans pour rien être d'autre. Après, j'ai pas trop mis de mode. Alors, moi, j'ai mes lunettes à soleil que je vais mettre là. Indispensable. Ici. Le téléphone, il est moche ce téléphone, il est horrible. Franchement pas beau. Franchement pas beau. Pour le porte-monnaie là. Voilà. Mais voilà, je vais prendre un clair. C'est mieux avec l'intérieur. En gros, voici comment ça va aller. Alors, on va l'acheter. Et après, on va faire la reprise. On va l'acheter. Yes, félicitations. Hop, il pleut encore, voilà. J'achète un camion tout neuf. Il est déjà tout mouillé. Ah, mais j'y crois pas, On va laisser la petite animation, parce qu'elle est jolie. Elle est jolie. Alors voilà mon petit camion. J'aime bien. Alors dites-moi dans les commentaires, par exemple, si ce qui est audio, ça vous entendez bien. Comme ça. Hop, ça je veux pas non plus. Ça non plus. Hop, ça je veux pas non plus. Alors voilà notre camion. Allons-y. Allons-y, il a dit. Mais avant ça. C'est quoi pour une assise? Ah, voilà, c'est quand même mieux. Maintenant qu'on a acheté le camion. On va acheter l'ensemble. On va aller chez vendeur de remorque. On va aller sur la Krone. Et voilà ce que j'ai aussi fait. Parce que si on a un camion, un tracteur avec une remorque, quand c'est ensemble, ça va bien. J'aime beaucoup. Alors j'ai fait la première. Alors. Je vais juste configurer quelque chose. Alors, la remorque, c'est une Krone.
que j'aime beaucoup. J'aime ces gens d'en mort qui vont très 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 bien. On va prendre les deux. Ah mince, voilà. Et c'est reparti sur la commode. Ça, je veux pas. J'ai plein de choses qui s'affichent, mais que je veux pas. Alors, ça. Voilà. Sinon, je suis embêté. Alors, j'en étais à la configuration de la remorque. Alors, vendeur de remorque, j'ai dit que la crône. Alors, il y a configuration de celle-là. Voilà, ce que j'ai fait, ça reste dans le même style que le tracteur. La Terre, la Lune, les cosmonautes, la fusée. J'ai gardé le dessus, la couleur du camion, ça fait un petit rappel, ça y a que les côtés. L'autre. Ah, j'ai un faible pour celle-là. J'ai un faible pour celle-là. Ouais, je vais pas faire celle-là. Alors, on va acheter celle-là. On va acheter celle-là. Bon, il n'y a pas grand-chose comme ça. Alors, qu'est-ce que je veux? Ah, mais j'ai oublié quelque chose sur le tracteur. C'est de faire la couleur des pneus. Alors, comme ça. En orange, ça fait un petit rappel. Ensuite, ça, c'est tout bon. Les essieux, c'est tout bon. Ça, c'est tout bon. Il n'y a pas grand chose à changer. Les jantes, il n'y a pas grand chose à changer. Est-ce que je vais du chromé? Ah ouais, plutôt moche. Ça c'est quoi? Ah, c'est quoi ça? Pas beau ça, pas beau, pas beau hein. Alors ça c'est pas une réussite. Alors il faut laisser les jantes d'origine. Ah ouais. Vous laissez les jantes d'origine. Il n'y a pas de vraiment chromé. Bon. Alors, on va laisser les jantes d'origine. On va voir ce que ça donne avec le tracteur. C'est pas si mal. Alors les pas, ça peut marcher. Ça c'est ce qu'ils appellent les modes piétons. ETS, ils ont fait un mode piéton. Mais ce que j'ai pensé quand au début, quand ils avaient fait le mode piéton, j'ai dit oh, va bien, on va pouvoir jouer dans le jeu comme farming, pouvoir se déplacer. Mais en fin de compte, non. C'est juste comme ça. Donc, je trouve un peu dommage. Après. Pas pratique. C'est pas pratique. C'est pas pratique du tout. Alors, je vais confirmer l'achat de la remorque. Je la veux ici et on va partir sur les routes. Pour aller voir tout ça. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que le son
Alors, ici, moteur du camion, je... un petit peu. Volume de l'effet, volume des effets, volume du bruit. Trafic, pas besoin. On va diminuer le son. Ah, ils ont mis plus de paramètres. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, voilà. Non, je pense qu'on va aller chercher la remorque. La remorque, elle est où, ma remorque? Elle doit être chez moi. J'ai allumé les feux. Au secours, c'est pas pour un bruit de camion. C'est des klaxons, on les entend. C'est bizarre. En tout cas, c'est pas le même klaxon que j'ai dans mon Scania, ça c'est sûr. Alors, j'étais en train de dire la remorque, elle est où? Alors, on va juste aller voir la carte. Je vais faire ça. Alors. Alors, moi, je suis où? Ah, il est là. Tournez à droite. Merci. Réorientation. Tournez à gauche. Merci. Trop gentil, il me laisse passer. Mais par contre, la remorque, elle est pas là. Parce qu'elle est derrière. Recherche d'un nouvel itinéraire. Passer là. Elle est où, cette remorque? Alors, elle n'est pas là. Recalcule. Alors, elle est où la remorque? Faut que je l'achète, je pense. Alors, faut que je dise ce que je l'utilisais. Voilà. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. D'accord, mais tu me l'as mise où maintenant la remorque à Zurich, pareil. Ça m'étonnerait qu'à moitié. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Alors, un service, marchandises actuelles, j'en ai pas. D'accord. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Alors là. Non, pourquoi je suis là maintenant? Oh, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à Euro Truck par contre alors. Ouais. Ah, mais je l'ai là la remorque. Ah, mais toi, il y a derrière en plus. Elle est derrière, elle est déjà attelée. Elle est déjà attelée, ça c'est bien. Tournez à droite. Alors maintenant, chez la station-service, on va aller voir si on n'a pas. Oh là, l'essuie-glace. Il y a un bout qui n'est pas balayé. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Alors, moi je dirais qu'on va se prendre une petite mission. On va pas faire un live très lent. C'était juste pour vous présenter.
Bibi Fricotin. Alors, je sais même plus où j'ai mis mes touches. Voilà comment ça donne. Voilà comment ce qu'il donne en extérieur. Ouais, j'aurais dû faire les pneus du camion aussi en rouge. En rond, je veux dire. Bien dommage. Alors, on va se prendre une petite mission. Marché du travail. Allez, les contrats. Maintenant. Ah, mais non, pas ça. Je suis bête. L'émission, c'est off de fret puisque c'est moi. Alors ici 17h, 5h, 7h, 19h. Eh ben dis donc. Allez, on va prendre celle-là. Il y a le ferry, ça va être sympa. Mais non, normalement il est aussi à Mantine. Nantali. Soyez prudent. Mais oui, on va être prudent, promis. Tournez. Alors, à droite. On tourne à droite. Préparez-vous à tourner à droite. Voilà. Tournez à droite. Alors, la nouvelle promode. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé la promode. Mais là, je pense que. On va faire la route de la mort. Tournez à droite. Ça, c'est une chose que j'avais fait une fois. J'aimerais bien la refaire. Tournez à droite. Du reste, la dernière fois que j'étais en multi. Pour mon ami Suisse Transport. Après j'ai lâché parce que c'est vrai que j'avais d'autres choses à faire. Oh, trop vite. Plus. Tenez la gauche. Mais c'est vrai que graphiquement, ça vaut la peine. Ah, elle me demande combien de temps pour aller chercher mon fret. Alors, 43 minutes. 42 km. Je sais que c'était plus près que ça. Et une petite vue extérieure. Pas pratique de rouler comme ça. Yo! C'est la gueule. Alors, le voici, le voilà, mon skin. Ah, je trouve sympa. Je trouve sympa. Ah, pour oublier de freiner, parce que. Là. Oh. Voilà, maintenant. J'accélère. Double. Puis t'avances plus. Allez tout. Ah voilà. J'ai esquinté mon camion. Voilà. Un camion tout neuf.
Oh, je règle les freins par contre. Aussi, freine pas top. Voilà. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Bon, préparez-vous beau à ici. Tourner à gauche. Il fait beau, il fait beau. Tournez à gauche. Allez, un screen. Voilà. Préparez-vous à tourner à gauche. Ah, allez prendre le ferry. Tournez à gauche. Ça, c'est Martin. C'est terminé. Bon bah c'est terminé. Puisqu'il a dit que c'était terminé. Alors, offre de fret. On va prendre la mission. Recule, on recule. Ah, je disais bien que c'était pas bien. Je disais bien que j'étais pas bien. Ah ben comme ça, je me trompe de côté du volant.
Voilà. En charge de fret. On y va. Et on y va. Alors allons-y, allons-y. Tournez à droite. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Un petit screen. Ah, c'est pas facile de conduire comme ça en vue aérienne. En plus, on va où on va. Alors, on va prendre le ferry. Ah, comme ça, j'aime bien. Alors, on va prendre. Hop. On embarque. Recherche d'un On va nouvel pas se tromper de itinéraire. destination. Sinon, c'est sûr que ça va pas être l'idéal. Alors là, le GPS, il me demande de partir. Partir à la mer. Bizarre. Pourquoi il me demande de partir à la mer? Est-ce que je me suis trompé de coin? Peut-être. Non, c'est pas ça que je veux. Mais là. Ah ouais, j'ai pas pris le bon. Ah, il faut que je retourne. Ah, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. J'ai pas pris la bonne destination. On va pas être content de patron. D'accord, moi qui vais devoir payer de ma poche. Salut, Bagou. Alors voilà. Alors, maintenant. Maintenant, il faut que j'aille où? Je vais me tromper. Voilà, je vais aller. Ah, il faut que j'aille à Kapellskär. Kapellskär. J'aille à Kapellskär. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Je vais pas me retourner. Ah, il fait tout nuit maintenant.
Allez tout droit. Bon, allons dans Didandène. Pas là, je pense. Tournez à droite. Réorientation. J'ai fait un tour du parking. J'ai pas besoin de dormir maintenant. Je fais ça uniquement parce que. Ouais, mais je vais pas faire le 100% de la carte maintenant. Parce que je vois que ça sert à rien. Alors, Pierrot, il est pas là. Je pensais que Pierrot était par là. Préparez-vous à tourner à gauche. Alors ce qui est dommage, c'est que les skins en multi tourner à droite ne sont pas compatibles. Tournez à droite. Ça, je trouve que c'est dommage. Bon, 5 heures de route à faire. La Suède, magnifique. Beau pays. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Ah, je remets mes commodos pour les signophiles et les feux. C'est vrai que mettre les signophiles quand on tourne le volant, on croit toujours qu'il est de côté. Puis en fin de compte, bah, comme ça tourne avec le volant, c'est pas pratique. Du tout. Alors, il va falloir que je me remette ça. Bon, on va se mettre à 85. Voilà. Comme ça, on met le tempomat. Alors un multi, il y a des fois on croise personne.
c'est pris trop tôt. Tenez la gauche. Merci si tu me laisses passer. Les 80 ou 90, voilà, à l'imitation c'est 80, mais on est plombé à 90, à 90 km/h. C'est vrai que sur les autoroutes, le camion, lui, généralement, c'est 90. En fait, dans ma vie réelle, Volvo, c'est pas le camion que je préfère, même qu'ils sont très bien. Tous les camions sont top. Après, c'est question de goût, quoi. Il y en a, c'est des Pro Scania pour Mercedes. J'aime beaucoup l'Iman. Voilà. Ah bah demain c'est vendredi. Le week-end.
J'espère qu'il fera beau. Ah, les paysages sont top, hein. Y a rien à faire. Ils assurent. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ETS et la Promode ne sont pas mis ensemble. Ils travaillent ensemble, je sais, mais... Ils auraient pu faire un bon partenariat, les deux. La police. Voilà. Ah non, mais c'est quoi ça? Eh ben, je viens de me rendre compte que je suis à 120. J'étais en train de me dire, mais les gens, mais ils pétouillent, c'est l'horreur. Sortez à droite. Et pourquoi je suis pas bridé? Oh, c'est pas logique. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. J'ai bien que... Mais putain, mais... Désolé du terme, j'avais sorti tout seul. Je retire ce que j'ai dit. J'ai maintenant de bleu. Mais traîne les pieds. Préparez-vous à tourner à droite. Là, je commence à comprendre pourquoi il traînait les pieds. Tournez à droite. Alors, ici. Nous y sommes. Sain et sauf. Sain et sauf, il a dit le monsieur. Ah, super. Bon, ça. Bon, c'est pour simplifier, ça. C'est bon pour simplifier, ça. Hop. Allez. Se redresser un peu. Voilà. Alors. Voilà, on est arrivé. On est arrivé. Voilà. Alors, je ne vais pas faire un live lent. On va s'arrêter là. Je vous remercie à tous. J'espère que...
Ça vous a plu? J'espère que ça, que mon skin vous plaît. Dites-le-moi dans les commentaires. Dites-le-moi. Si jamais. En dessous de la chaîne, j'ai mon lien Discord. Vous pouvez vous inscrire, Facebook. Comme ça, si jamais vous voulez m'en parler, savoir ce qu'il y a à modifier, si vous avez trouvé l'erreur pour la pavette, ce serait sympa. Alors, je vous remercie à tous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Et voilà. Au coin de la cheminée, je vous dis au revoir.